Yo la squad, bien ou quoi? Nouvelle vidéo sur NBA 2K20. Aujourd'hui, on va reparler de badge, mais on va enfin parler de badge de finition. Il y a énormément de tests qui ont été faits par le site NBA 2K Lab, qui est un site sur lequel vous pourrez trouver énormément d'informations sur le jeu si vous voulez tryhard un minimum. Tous leurs liens sont en description et tous les tests de vidéos de badge que je fais, tous les chiffres et tout ça, tout viennent d'eux. Je ne suis là que pour traduire leur travail. Je préfère le préciser à chaque vidéo. Mais ils ont fait énormément de vidéos sur les badges de tir et aujourd'hui, ils s'attardent enfin sur les badges de finition. Dans cette vidéo, on va en voir trois. Finisseur en contact, finisseur furtif et maîtrise du double pas. Avant de commencer, je t'invite à passer sur le site Topper Store qui est le partenaire officiel de cette chaîne sur lequel tu pourras retrouver du textile officiel NBA, NHL, NCAA, etc. à très bon prix. Chaque achat que tu feras via le lien en description permettra également de soutenir la chaîne, donc un énorme merci à toi si tu le fais. Bref, c'est parti pour la vidéo. Bon, le premier badge, Contact Finisher, donc finisseur au contact en français, va vous permettre, quand on lit la description du badge dans le jeu, d'augmenter la réussite des doubles pas après contact pour les slasheurs et pour les dunkers, améliorer leur réussite de dunk après contact. Aucun test n'a été réalisé de la part de NBA 2K Lab car le compte officiel NBA 2K20 sur Twitter avait déjà donné toutes les informations nécessaires à connaître sur ce badge. A savoir que c'est le badge que vous avez besoin si vous voulez déclencher des animations de dunk avec contact et que ce badge booste la fréquence de ces animations de 20% en bronze et de 15% supplémentaire pour chaque level de badge. Il précise également qu'il faut avoir la note la plus haute possible pour augmenter cette fréquence en dunk, que ce soit sous le panier ou en mouvement, sachant qu'à 85, vous débloquez le meilleur pack de dunk avec contact. Ça nous donne donc en bronze 20% de hausse de ces animations, en silver 35%, en gold 50% et en Hall of Fame 65%. Donc très clairement, si vous avez des grosses notes de finition, mettez ce badge en Hall of Fame. Pour enchaîner, on passe au badge maîtrise du double pas, à savoir Pro Touch en anglais, qui octroie un bonus de tir supplémentaire lorsque le tir est relâché légèrement trop tôt, légèrement trop tard ou avec un timing parfait. Et encore une fois, on parle de layup. Pour tester ce badge, NBA 2K Lab a effectué les tests suivants. Ils ont pris 300 layups contestés avec un joueur qui faisait une taille de 6-5, un défenseur qui faisait exactement la même taille, l'attaquant avait une note de layup de 75 et le défenseur une note de contestation de 75 aussi. Et les résultats des tests sont les suivants. Sans le badge, vous avez un pourcentage de réussite d'environ 42,67%. Une fois que vous passez ce badge en bronze, vous avez une hausse de 4%, en silver 7%, en gold 10% et en Hall of Fame 15%, ce qui est pas négligeable du tout. Chaque niveau du badge présente une hausse significative des pourcentages de réussite et NBA 2K Lab conseille de mettre ce badge en or si vous en avez la possibilité ou plus, en fonction de votre style de jeu une nouvelle fois, mais lorsque vous êtes un play sharp ou autre et que vous avez l'habitude de faire des layups et de ne pas dunker, ça peut être une bonne option. Et enfin, dernier badge de cette vidéo, finisseur furtif. Quand on lit la description du jeu, il va améliorer l'aptitude du joueur à se faufiler au milieu de la défense et éviter les contacts lors des préparations et des finitions proche du panier. Pour tester ce badge, NBA 2K Lab a pris 300 layups contestés avec chaque level du badge. Ils ont noté pour chaque tir le pourcentage de contest, ils ont fait une moyenne à chaque level du badge et c'est ce qu'on va voir dans les résultats. Encore une fois, ils ont utilisé les deux joueurs qui faisaient une taille de 6-5 et avec une note de layup de 75 et une note de défense de 75. Il faut également savoir qu'avec ce badge, plus le niveau sera haut, plus vous aurez de chances d'activer des animations qui vous permettront d'éviter en l'air le défenseur, car clairement le but de ce badge va être de faire réduire le pourcentage de défense lorsque vous allez au panier. Et comme le précisait Mike Wang dans un tweet de cet été, le badge finisseur furtif vous aide à éviter le contact avec la défense, ce qui est plutôt bien pour attaquer le panier, alors que finisseur au contact, lui, va vous aider à mettre votre shoot malgré le contact. Et il précise en fin de tweet que la plupart des slashers devront certainement avoir les deux. Bref, place au résultat. Sans le badge et avec un défenseur qui faisait une taille de 6-5, le pourcentage moyen de contest était d'environ 70%. Une fois le badge en bronze équipé, ce pourcentage réduit de 5%, 8% pour le silver, 14% pour le gold et surtout 21% pour le Hall of Fame, ce qui est énorme. On peut également voir un résultat intéressant dans le bas du tableau, où est-ce qu'on se rend compte que sans le badge, il y a 40% des tirs qui ont été pris en 100% contest, alors qu'en mettant le badge en Hall of Fame, ce chiffre est réduit à 28%. Ensuite, ils ont également testé avec le même joueur, donc un joueur qui faisait 6-5 en attaque, mais ils ont mis un défenseur qui faisait 6-11, qui était donc plus grand. Le pourcentage de contest moyen est monté à quasiment 77%, et le boost pour chaque level de badge reste sensiblement le même que quand le défenseur faisait 6-5. Et on peut voir que le pourcentage de shoot contesté à 100% est divisé plus de 2 fois par 2. Sur leur site, NBA 2K Lab a mis ce badge dans la catégorie argent,
en fonction de l'importance de ce dernier, mais il précise que ça dépend énormément de votre style de jeu. Effectivement, si vous agressez énormément le panier, combiner ce badge avec contact finisher à haut level peut être une excellente combinaison. Bref, normalement vous savez à peu près tout sur ces trois badges de finition. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésite pas à liker si t'as kiffé, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu passes sur le site Topper Store comme je t'ai dit en début de vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette dernière. Je te dis à la prochaine, c'était ton gars Xortech. Peace out.